À tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Grimm. Alors, on en est à l'endroit donc du repère des gloutons, là où on doit atteindre donc notre fameux objectif, à savoir éliminer une créature et du coup donc remplir la quête demandée par Sidra, qui se trouve donc au niveau du pilier du monde pour pouvoir continuer le jeu. Alors, on va visiter un peu la zone. T'es sans montant? Pas grand chose. On revient où là? Voilà, on revient dans la zone de Lichik. Cool ça. Avec une merdouille à éliminer. Ah oh! Calme-toi mon gros. Wouhou! Plus cher. T'as marre de ça? Ah merde. Allez, point de chasse obtenu. Pas mal. On va pouvoir améliorer des trucs. Ouais, tu reviens dans la première zone, quoi. Tu reviens à Litchi, quoi. On y est allé dans tous les cas. Je crois même que je peux améliorer encore un peu plus mon personnage. Bah, ça c'est la nouveauté ça. Des sortes de dents là qui sortent du sol, là, dégueulasse. Alors là-bas, c'était bloqué. Donc c'est pas par là. Alors 1500, je pense que j'ai assez. Ouais, 1500, j'ai assez. On va augmenter ça, on va augmenter ça pour l'enduit. Et on va augmenter ça. C'est pas mal ça. Ah merde! Pourquoi je suis toujours 1005 du coup? Ah, j'ai pas validé. J'ai pas validé, merde. Alors j'ai dit que j'allais augmenter ça. De toute façon, quitte à les perdre. Ce serait con. Bon, ça c'est toujours pareil, le marchand. Ah putain, je les avais oubliés complet. Ah et ça, on en parle ça? Ouais, tu es obligé de passer. En plus, je touche
tous pile en plein combat. Et merde. Alors, pas par là, pas par là. Eh merde! Allez, rôdeur, on y arrive. Je n'aime pas ce truc-là. Eh merde! T'es... Ah, je clamsais. Ouf, c'est joué un peu le cul. Mille cinq cents et quelques. Ah ouais. Donc nouvelle zone. Ah, sympa la zone, trop bien. Ok, donc par là, ici. Je sais pas, je sens pas trop là-bas. Non, pas par là en tout cas, ça c'est sûr.
Eh, bouge! En plein sur la dent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas sauter là! Ouais, moi c'est à faire ça, mais... Ok, par là. Ici. Ça a l'air sympa comme endroit. Surtout pas par là. Ah! Ah merde, putain, je t'avais pas vu, toi, mon con. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah! Je vais mourir la merde. Ah putain, je les avais pas vus, ces cons. Putain, maintenant il va falloir que je me retrouve la zone. Putain. Tac, 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 tac. J'étais pas loin en plus, on dirait du boss. Qu'est-ce que c'est cette merde encore? Ah putain, ça va! J'en ai marre de me faire sniper par des merdes! Trop tôt. Allez, dégage. Ah, c'est bon, on m'a gonflé, lui. Voilà, c'est pas par là, dans tous les cas. Ah, c'est par là. Plus bien la zone de merde, quoi, tu vois. Là-bas, là-bas, là-bas. Putain, là, je t'ai passé là-haut. Comme ça, comme ça. On s'en branle là. Par ici.
Mais ça, c'est juste pour revenir en arrière, ça. Ok, par là. Par ici. Aïe. De toute façon, lui, je te mets là pour pas te toucher quasiment. Faut toujours que je me fasse toucher par ces merdes. Hein. Incroyable. Eh merde! On arrive à la zone du boss, ça, non? Ok, il l'est lui. Ah merde! Eh merde! Et merde. Ah putain. Ah pur jeu. Je suis arrivé loin en plus pour arriver jusque lui. Bah, regarde tout le tour que j'ai fait quand. Oh misère, ignoble. Assez de plaisir à chaque fois de devoir tout refaire comme ça. Un régal. Putain! Ah, ça se joue toujours un poil de cul, ça.
Bon, donc là, si tu veux gagner du temps, il faut passer par là. Là, tu passes par là. Là, tu passes là. Là, ici. Putain, là on revient là déjà? D'accord. Putain, il y avait un raccourci là, con. Ah, si j'avais su, j'aurais pris le raccourci, je te le dis. Hein. Ah, ben il y a le boss. Alors, ce boss là, le but du jeu, ça va être d'y taper la tête. Attention à son poison là. Là, on se cache derrière. Parce que sinon, bobo. On passe comme ça. Ah merde, ça j'avais oublié. C'est pas grave. Là, on recule. Là, attention. Pas la même connerie que j'ai faite. Toujours si possible, deux coups. On se cache derrière. Là, on recule. Non, trop tôt. Ah putain, j'étais. Bon, en soi, elle est pas très compliquée, hein, mais. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire lui, et après on va essayer de faire l'autre aussi. Hein. Au moins, on aura fait un peu tous les boss de la zone, je pense. Donc là, on a dit par là, là, on a dit par là. Bon, il est pas loin après, ça va. Et par contre, je fais pas de dégâts. Hein. Ouais, dégâts de feu, ça aide un peu, ouais. Là, on recule. On passe dessous. On attend qu'il se tourne, on fait attention aux pierres. Surtout attention aux pierres, surtout ça qui est chiant en réalité. On recule. Un, deux, comme d'habitude. Tu vois, putain de pierre à quoi hein, que je vais me prendre sur la tronche.
Pareil, on recule. On passe dessous. On attend. On fait attention aux pierres. On saute par-dessus. Et voilà. Et c'est pas fini. Parce que là, il faut tuer les vers. Ah merde, là c'est deux là. Allez, deux verres en moins. Allez. Et merde. Je sais pas si ça va le faire, hein. Surtout que là en plus il y a le dernier. Le dernier est plus solide. Ouais, je suis à voir. Alors, entre les vers et le vautour, c'est chiant. Ah la P1, ça va, c'est la P2 qui est chiante quoi. Ah, ce qui est chiant du coup, il faut tout refaire quoi. Eh merde. Ah putain, je suis trop tôt. Ah, j'y arriverai pas là. Ça fait déboîter. Ouais, allez. Allez, un verre en moins. Un, deux. Ah mais j'ai plus de vie, donc là j'arrive au dernier verre, chiant. Normalement, c'est fini pour le vautour, hein.
Avec plus de vie. Pareil, c'est jouer un poil de cul. Là-bas, là? Ah, la pierre qu'il y a vous permet de foncer en étant en l'air. Ah, ben c'est pas mal ça. Ah, par contre, il y a un truc là qui m'intéresse. Ça là. La balise harmonisée, ouais. Et par contre, il y a un boss en dessous. Et pour y accéder, il faut faire tout le tour. Ouais, ça te permet de passer dans les zones comme ça là. Donc on a dit tout le tour par là. Allez, plus d'endurance, la conne tarasse! J'en peux plus cette endurance. Hein. Ah, s'il nous plaît. Hein. Ah, le nombre de fois où tu meurs à cause de ça, c'est bon quoi. J'ai que ça à faire. De mourir 10 fois à cause de ça. C'était par là? Ouais, c'est par là. Voilà, carcasse au rôdeur. Allez, ça dégage. Ok. Tac, 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 tac. Ah, parce que ça peut directement se TP là-bas en plus. Ça promet, quoi. Par là, ouais, c'est par là. Ah putain, dommage. Wow. Oh, la zone de merde. On est où là? Je comprends pas. Okay. On descend où là?
Oh, se joue un peu le cul, je te dis. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que c'est cette zone à la con? Ouais, mais attends, elle fait flipper cette zone, non? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? L'amalgame mal conçu? Ouais, mais bon, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau pour lui. Ah, peut-être se calmer. Peut-être éviter cette zone. Hein. Bref. Pourquoi il y en a deux là? Je peux savoir pourquoi il y en a deux? D'accord. Bon, j'espère en tout cas qu'il ne revienne pas, qu'il y en a au moins un des deux qui est mort. Ah, c'est chaud, hein. Ah, ignoble cette zone, non? Non, non, ils reviennent tous les deux. Ah, ça a l'air tendu quand même. Bon, encore ça va, je m'en suis vite débarrassé. Ah, ça va, j'arrive à vite t'en débarrasser, ça va. Non, tu peux même pas passer, ça sert à rien. D'accord. Bon, au moins ça m'a permis de repasser par là-bas. Parce qu'en tout cas, c'était pas par là que je voulais aller de base. Besoin de santé. Putain, j'ai dit que j'avais besoin de santé, mon con. J'ai dit que je voulais pas en perdre.
Et ignoble cette zone un peu, non? Vas-y, envoie ta merde. Ah putain. Oh! Allez! Il faut obligatoirement que je repasse par eux là? C'est une blague. Bah, il faut obligatoirement que je repasse par eux. Comment je fais pour repasser par eux, moi? Allez, arrête. Tu veux pas juste essayer de m'absorber, voilà. Trop tôt. Oh! Oh! Le truc, c'est que c'est compliqué de lire ces attaques, quoi. Entre celle qui t'assène simplement pour essayer de te défoncer la bouche. Entre les attaques de base et les attaques machin là. Ouais, après tu es pas obligé de les réveiller. Hein. Arrête! Voilà, déjà au moins j'ai défoncé les deux côtés. Allez, ça dégage. Le no hit. Le no hit. Ah, il m'a gonflé. Hein.
Donc là, du coup, il faut que je retourne tout là-bas, quoi. Bon, ce qu'on va faire, du moins ce que je vais faire, ce que je vais faire, je vais retourner au truc de sauvegarde. Donc juste là, on va s'arrêter là. Moi, j'ai visité un peu de mon côté la zone, essayer de voir un peu ce qu'il y a en bas là, du repère des gloutons. Je sais que là-bas, j'ai pas le niveau, ça sert à rien. Là, je suis tombé sur le truc amalgamé là. Le premier qu'on a éliminé, le pleurnicheur, je me suis fait déboîter la bouche. J'ai pris un coup, j'ai perdu 90 points de vie. Je me suis retrouvé quasiment au bord du décès. Donc, ce que je vais faire, je vais visiter un peu rapidement la zone là en dessous, voir un peu ce qui s'y cache par là. Et après, dans tous les cas, on repartira, on remontera et on essaiera de rejoindre directement si possible un truc neural, mais il n'y en a pas dans le coin j'ai l'impression, ou peut-être des choses que j'aurais ratées par là, et on ira découvrir la suite de l'aventure. Donc déjà il faut que je retourne donc au niveau du pilier du monde et donner la pierre à Syndra. Voilà, ben j'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, sur ce, ciao ciao.